la jurisprudence parfois sanctionne les abus de liberté d'expression lorsque effectivement il y a des injures, de la diffamation. Mais ce sont des cas rares. Distingue aussi selon votre niveau hiérarchique. Plus vous êtes dans un niveau de direction, d'encadrement, et plus vous avez un devoir de loyauté de la direction. Mais au contraire, on parle ici d'un agent de tri, au contraire, plus bas vous êtes dans l'échelle hiérarchique, et plus vous avez de liberté d'expression. Utiliser votre mail professionnel à des fins privées, mais dans ce cas-là, le salarié doit prendre une précaution. Dans l'objet de l'email, il doit mettre « personnel ». À partir du moment où il met le terme personne le fait. Personnel, oui, mais certains salariés le savent et prennent cette précaution. C'est très bien que vous nous le disiez ce matin.